de sa carrière d'actrice dans la série télévisée Suits à l'officialisation de ses fiançailles avec le prince Harry, Meghan Markle a dû changer un paquet de choses dans son dressing. Closer vous explique. Dans le dressing de Meghan Markle, il y a eu du changement. Il n'y a pas seulement eu l'entrée de nouvelles fringues. Non. Meghan Markle a aussi rangé au fond, voire au tréfonds de ses placards, ses anciennes tenues d'actrice de séries américaines. Un changement incontestablement nécessaire à ses futures fonctions de duchesse. À l'instar de Kate Middleton, elle a dû trouver son nouveau style. Comme un rôle, celui de sa vie, on le devine, elle a dû se créer une allure, un look. On ne s'habille pas à la cour royale comme sur les tapis rouges hollywoodiens. Et encore, les années ont donné raison à un certain progressisme allant dans le sens de la décontraction. Toutes les femmes de la cour ne sont plus vraiment obligées de porter des tailleurs ultra classiques comme ceux de la reine Elisabeth II. Mais il faut quand même respecter une certaine élégance. Alors, par où commencer? Déjà par la mise en beauté. Meghan Markle se coiffe les cheveux de manière plus naturelle qu'auparavant. Si elle se fait un chignon, elle en laisse tomber quelques mèches sur l'avant pour ne pas avoir l'air trop tiré à quatre épingles. Le maquillage est aussi léger, plus de l'ordre de l'effet bonne mine que l'œil très charbonneux qu'elle a arboré pendant des années. Du changement dans le placard puis, les vêtements. Les micro-robes argentées, en matière brillante ou de couleurs vives ont disparu. Tout comme les robes moulantes, courtes et décolletées. La jeune femme privilégie désormais des ensembles jean noir puni ou robes en dessous du genou et long manteau. Bref, ses vêtements ont pris en longueur, en sobriété sur les couleurs qui sont désormais plutôt sombres. Les coupes ont changé. Si les pièces demeurent cintrées pour marquer sa taille, elles n'en sont pas pour autant trop sexy, comme la robe Club Monaco qu'elle portait le soir de Noël. Dans le tiroir des accessoires, plus de petites pochettes ou de minaudières, incontournables sur les tapis rouges d'avant-première, à clous ou à détails bling-bling. Quelques sacs petits mais plus pratiques se sont confortablement installés dans sa garde-robe comme sa besace en cuir vert sapin de la marque de Mélier, à 375 €. Bref, son look bling-bling est mort. Vive son nouveau look ?